Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo unboxing Diamond Painting. Voilà, pour un partenariat. Oui, encore. mais là, avec une nouvelle boutique. Voilà, que je ne connaissais pas. Comme d'habitude, comme pour les autres boutiques, ils m'ont contacté par email pour me demander si ça m'intéressait de faire un partenariat avec eux. J'ai dit oui, comme d'habitude. Premièrement, c'est toujours intéressant de connaître des nouvelles boutiques et c'est toujours intéressant de recevoir des kits. Voilà. Et de voir aussi la qualité, de pouvoir voir comment fonctionne la boutique et de vous en parler. Voilà, donc je n'ai vraiment aucun retour de cette boutique à part sur une vidéo. Alors, je ne sais plus le nom de la chaîne, je suis désolée. Je n'ai vu qu'un seul retour d'unboxing partenariat sur une autre chaîne. C'est la seule que j'ai vue pour l'instant. Donc, je crois qu'ils commencent tout juste à faire leur partenariat. Et donc, je n'avais vraiment aucun retour sur cette boutique. Donc, je ne pouvais pas savoir à l'avance si c'était bien ou pas. Donc voilà, j'ai passé la commande, enfin j'aurais répondu à leur email en faisant mon choix il y a 3 semaines je crois, oui, il va y avoir 3 semaines, et j'ai reçu donc là aujourd'hui, il y a une demi-heure, donc c'est tout frais, le petit colis. Alors, chez eux, j'avais juste une petite limite pour le choix niveau le montant du partenariat. Bon, ça se comprend, hein, il n'y a aucun souci pour ça pour moi. Donc, je devais commander pour 20 livres. Donc, les livres, c'est en anglais. Donc, ça faisait en euros, ça fait un petit peu moins de 20 euros, je crois, en euros. Bon, enfin, soit. C'est pas très important. Voilà. En tout cas, pour vous, c'est pas très important. Donc, j'avais le droit de choisir deux ou trois articles. Donc, j'ai réussi à en choisir 3. Voilà. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, j'ai déjà ouvert les paquets pour aller un peu plus vite et faire un peu moins de bruit. Donc, j'ai reçu comme ceci. Hop, voilà. J'ai reçu dans un sachet comme ceci. Alors, en voilà un. En voilà deux. Et le troisième petit. Voilà. Désolé, du bruit. Je jette le sachet, j'en ai plus besoin. Niveau emballage, du coup, j'ai pas eu de problème. C'est arrivé dans un bon état. Alors, avant de vous faire la vidéo, je vais vous dire franchement, j'ai déjà regardé pour voir s'il n'y avait pas de problème. Parce que justement, la vidéo que j'ai vue, je vous dis, je ne sais plus son nom, je suis désolée, elle a eu un tout petit souci. C'est juste une petite erreur qu'il y avait dans l'envoi. Donc j'ai préféré regarder à l'avance si tout allait bien. Voilà. Et moi, ça va, tout est nickel. Bon, comme elle dit dans sa vidéo, je suis vraiment désolée, je ne me rappelle plus de sa vidéo. Je vous mettrai peut-être juste là en dessous le nom de sa chaîne. C'est comme elle dit, l'erreur est humaine, hein, ça peut arriver. C'est pas un défaut, c'est vraiment une erreur. Voilà, il y a eu un petit quiproquo dans l'envoi. Ça arrive. Vaut mieux ça qu'avoir un truc qui arrive tout destroyé. Voilà, là c'est plus embêtant. Là, bon, comme elle dit dans sa vidéo, elle va leur envoyer un email. Bon, ils vont renvoyer le bon truc, c'est tout. C'est pas... Ça peut arriver, hein. Là, il n'y a pas mort d'homme. Alors, on va commencer par le plus petit et on finira par le plus grand.
Alors, le plus petit, j'en avais encore jamais acheté. Puis j'ai dit, bah tiens, je vais en prendre un parce que mon mari aime bien lire le soir. Lui, c'est un couche-tôt à la place de moi. Donc, il aime bien lire. Et moi, j'en avais déjà fait en scrap. Donc, bon, il commence à s'user. Et du coup, c'était l'occasion de lui en refaire un. C'est un marque-page. Voilà. Alors, on va le... ça par contre, je ne l'ai pas ouvert, donc on va l'ouvrir. Alors, déjà, il y a un petit pompon, voilà, à accrocher sur le marque-page, bleu. Alors, je vais essayer... Alors, je vais découper le plastique sans faire de bêtises. Je ne veux pas faire de bêtises, donc j'y vais doucement. Voilà. Donc voilà le petit pompon. Il est joli. Hein. Ensuite, le marque-page. Voilà. Donc j'ai pris un peu style mandala. Donc il y a le petit trou là pour mettre le pompon. Donc ça va dans ce sens-là. Donc, c'est avec des diamants spéciaux. Donc, avec... j'ai un truc qui se colle. J'ai bien sûr la petite tablette, le petit stylet, le petit carré de colle. Bon, ça, maintenant, on a l'habitude. Voilà. Et les petites perles qui vont avec. Donc, je vais vous les montrer. Alors, je vous remettrai, comme d'habitude, en barre d'infos, le lien de la boutique et le lien de chaque article. Si vous voulez les retrouver. Allez, hop. Alors, j'ai d'abord des petites perles, les petits diamants. Alors, combien il y a de couleurs? 1, 2, là j'en ai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 couleurs. Alors, je vais vous les montrer en ce sens-là. Voilà. Un bleu plus clair. Il y a deux violets un peu plus foncés, un petit peu plus clair. Des blancs. Voilà. Alors, dans les spéciaux... Allez, descends quoi. Je ne vais pas descendre. Ah, non, mais je ne vais pas me laisser faire par les petites perles. Des demi-perles blanches. Là, des petites gouttes d'eau... bleu turquoise, encore des petites gouttes d'eau un peu plus grandes, vert holographique, des mini perles d'eau bleu, et ici, alors des rouges, elles sont un petit peu holographiques aussi, donc voilà. Donc, je vais... Donc là, je n'ai pas de papier de référence avec. Mais bon, tout est noté, bien sûr, dessus. Et j'ai toutes les références sur les sachets. Donc, je ne vais pas me tromper. Il n'y a aucun problème. Voilà. Donc ça, je le ferai... Je vais le faire rapidement, celui-là. Je ferai une vidéo avec. En une soirée, il va être fait. Hein. Donc, je vous ferai une vidéo. Je pense que je le ferai dans la semaine. Hop, on met ce pompon avec. Voilà. Je vais mettre sur le côté. Je rangerai mieux après. Voilà. Le deuxième. Alors, vous voyez, ils sont emballés. Les kits sont emballés dans les poches bulles. Donc, c'est bien emballé. Alors, celui-là, je suis contente. Je suis contente, contente. Parce que... Alors, d'abord... Le petit plateau, il y a des petits sachets dedans, bon il y en a deux, il y a deux petits sachets, il y a un petit carré de colle, le petit stylet, on commence à faire la collection. Là je suis contente de l'avoir trouvé chez eux, parce que bon je sais que maintenant chez AliExpress on en trouve aussi. Ça je suis une fan absolue, de toute façon vous devez le voir. Là, alors attendez, là,
Oui, Betty Boop. Avant, j'avais une énorme collection de Betty Boop. Je m'en suis séparée, malheureusement. J'avais énormément de choses sur Betty Boop. Et bah, je m'en suis séparée parce que j'avais de tout, hein, vraiment les statuettes, et j'avais des bijoux, j'avais vraiment de tout, de tout, de tout. Et puis même des petits meubles. J'avais même une petite table de salon avec une Betty Boop en pied, elle a cassé. Là, j'étais verte. Mais je me suis séparée de tout parce que bah, la poussière, avec les déménagements, donc je me suis vraiment séparée de toutes mes Betty Boop. Il m'en reste quelques-unes. Mais du coup, bon, j'avais un petit peu mal au cœur. Mais ça, c'est ma fan. Je suis fan, fan, fan de Betty Boop. Et du coup, chez eux, j'ai trouvé un kit. Bon, juste que je voyais un peu. J'ai pas. C'est un 30-30, j'ai pas fait gaffe, mais bon, c'est pas grave pour moi. Je pensais que c'était plus grand, mais bon, c'est pas vraiment grave. Là, voilà. Betty Boop. Trop, trop belle. Avec son petit chien. J'adore. Donc, c'est un plein. Il y a 19 couleurs. Voilà. Donc, vous pouvez voir. C'est super bien imprimé, hein. Voilà. Niveau colle, alors je vais regarder niveau colle. Ah oui, il y a de la colle. Ça colle. Il n'y a aucun pli, à part bon les plis parce que c'est enroulé dans l'emballage, hein. Mais ça, mon petit coup de fer magique, et puis hop, ça ira très bien. Donc ça, je pense que je vais l'attaquer une fois que le chat va être fini. Ça, c'est sûr et certain, ça va remplacer le chat après. Voilà. Et donc, c'est des perles rondes. Oui, en ce moment, je fais du rond. Voilà. Je vous montre. Bon, il y a un peu de noir, hein. Oui, Betty Boop a des cheveux noirs. Mais ça ne suit pas rien. Alors. Il y a beaucoup de roses. Alors, et encore, vous voyez le noir, il n'y a pas énorme. Hein. Je ne vais pas m'embêter. Du gris, pas beaucoup non plus. Et après, voilà, je vous montre tous les roses. Donc, un premier. Voilà. Toute la gamme de roses. Et un petit peu de rouge. Un petit peu de jaune, là. Bon, encore un peu de gris. Et encore. Là, c'est. Ces jaunes-là, c'est quoi? Ah, c'est ces boucles d'oreilles. Enfin, il y en a beaucoup parce que. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en faut 6 pour une couleur et 3 pour une autre. Alors attendez. V. Alors celle-là. 4, 5, 6, 7. Celle-là, voilà, je vous montre. Il me faut 7 perles. J'ai de quoi faire. Et l'autre W, W, il est où? C'est le 9. Voilà. Donc c'est celle-ci. Il m'en faut 3. Il y a 3 perles à mettre dans le kit. J'ai de quoi faire aussi. Alors, donc j'en étais là. Et voilà. Et ici, toute la palette de rose. Il y en a beaucoup. Ah, ça, c'est le fond. Ouais, ça, c'est le fond 17. Oui, c'est le fond, ça. Le fond du kit. Voilà. Donc, ça va. Il y a ce qu'il faut en perles. Ça se voit. Donc, je ne pense pas que je vais tomber en panne. Ça m'étonnerait beaucoup. Surtout là, hein, les boucles d'oreilles, regardez, les voilà les boucles d'oreilles, je vous les montre. Hop. Les deux petites taches jaunes. Vous voyez, il n'y a vraiment pas grand-chose à mettre dessus. Non, je suis super contente. Les petits boucles, ouais. Une vraie gosse. Une vraie gosse. Hop. On remettra mieux après ici.
Donc, en voilà. Donc, ça, c'est un 30-30. Est-ce que je vous ai dit le nombre de couleurs? Je ne sais plus, mais ça rien, je vais vous le dire. Donc, il y a 19 couleurs. Voilà. Et là, sur la, les références, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, le petit symbole, et j'ai les références DMC. Bon, moi, les références DMC, je m'en fous, sauf si je tomberais en panne de perles. Mais là, bon, c'est pas le cas. Hein. Je ne pense vraiment pas tomber en panne de perles. Voilà. Et le dernier. Il est un peu plus grand. Donc, toujours bien emballé. Un peu plus grand. Hein. Donc, toujours la petite tablette, le petit stylet, le petit carré de colle. Bon. Alors, celui-ci, que je vous dis la taille tout de suite, c'est un 90 sur 40. Alors, je vous remettrai les photos à la fin de la vidéo. Donc, comme ça, vous verrez en photo exactement ce que j'ai choisi. Parce que celui-là, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Mais bon, je vais déjà vous le montrer. Alors, il a 28 couleurs. Et pareil, il y a les alors, il y a les références. Alors, je vous montre déjà, avant de vous montrer le dessin. Vous voyez ? Il y a les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, les symboles et les références DMC. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer le dessin. Là, voilà. C'est des cascades. Mais je vous remettrai le dessin, la photo à la fin. Alors, voilà. Est-ce que vous voyez? Oui. Voilà. Donc, il est foncé, oui, je sais, j'aime pas le foncé. Enfin, j'aime pas. C'est pas que j'aime pas, c'est que mes yeux, des fois, mais bon, avec ma tablette, ça va très bien. Maintenant, j'ai ma tablette, j'ai ma lampe aussi sur le dessus, si je le souhaite. Donc, il y a du noir, hein, il y a le 310. Et est-ce que j'ai du blanc? Non, il n'y a pas de blanc. Donc, ça va. Que je voyais qu'il y a des taches de blanc, mais non, c'est pas du blanc, c'est le 38-65, mais ça doit pas être, ça doit être un blanc. Alors, la taille, est-ce que je vous ai dit? Je sais plus, je parle tellement que des fois je ne sais plus ce que je dis. C'est un 90-40. Voilà les couleurs, enfin les perles, toujours des rondes. Alors, je ne sais plus si chez eux, j'ai vu les carrés. Je crois qu'il y en a. Mais là, bon, j'ai choisi des ronds. Je vous dis, je suis dans ma période ronde. Eh ben, ça colle bien. Tout colle bien. Ah, je ne vous ai pas montré si c'était bien imprimé. Alors, attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer dans le clair et dans le foncé. Alors, voilà le foncé, vous voyez, même le foncé, c'est bien imprimé. Et dans le clair, également. Donc, vous voyez, normalement, je n'aurais pas de problème pour bien voir mes symboles. Alors. Donc, sur les sachets, j'ai tous les numéros. Oui. Alors, les couleurs, je vais vous les montrer. Voilà. Alors, ça, c'est du... C'est le noir, ça. Oui, c'est le noir. Voilà. Alors, j'ai deux sachets noirs. Des jolies couleurs, dans tous les tons bleus. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de couleurs claires. Hein. Bon.
Et les perles ont l'air vraiment très bien. Pas de déchets. Je vois pas de poussière dans les sachets. Je ne vois pas non plus de mélange de couleurs. Bon, à part peut-être une. Voilà. Il y en a qu'une qui se balade dans un sachet qui n'a pas lieu d'être. Mais bon. Ouais, non. Il n'y a aucune poussière dans les sachets. Nickel! Alors, niveau colle, je pense que ça doit être pareil que pour la Betty Boop. Ça colle. Donc là, c'est une protection transparente hein, pour les deux kits. Pareil, moi, ça ne me gêne pas. Alors, je vais prendre sur la Betty Boop, ce sera plus simple. J'ai eu... Il y avait une question sur mon groupe de Diamond Painting. Une personne me posait la question pour les kits comme ça parce qu'elle disait que quand elle le faisait elle avait les vêtements qui collaient dessus. Alors bon, n'oubliez pas que moi je vous ai déjà dit quand vous avez les kits comme ça de coller déjà un petit post-it, une petite étiquette avant de le commencer, comme ça vous connaissez l'envers de l'endroit du papier, parce que sinon après vous allez avoir des problèmes. Ça, si vous vous trompez de côté, ça va coller sur votre kit et vous allez avoir un mal de chien pour le retirer. Donc, au départ, déjà, vous mettez un petit papier, un petit bout de washi, hein, comme là, par exemple, je vais le faire. Hop. Hop. Vous voyez, je prends un petit bout de washi et je colle tout de suite dessus. Voilà. Comme ça, je sais que ça, c'est le côté extérieur du papier. Voilà. Donc des kits comme ça, comme cette personne me disait, quand elle le fait, bon, elle a le vêtement qui colle dessus. Alors l'idéal, c'est de pas commencer par le bas, parce que là, bon, les feuilles sont entières. Hein. L'idéal de sur ces kits là, c'est de ne pas commencer par le bas, commencer par le haut. Voilà, comme ça vous allez descendre votre feuille au fur et à mesure et vous aurez toujours la protection ici sur votre kit. Et donc vous ne risquerez pas, vous n'allez pas risquer de coller des choses dessus sur votre avec vos vêtements ou quoi que ce soit. Donc sur les kits comme ça avec les feuilles transparentes, commencez toujours par le haut, c'est beaucoup mieux. Voilà, parce que je sais qu'il y en a qui commencent par le bas, voilà. On peut aussi commencer par exemple aussi par le haut et faire par ligne. Des fois, moi, ça m'arrive. Là, le chat, en ce moment, c'est ce que je suis en train de faire. Hein. Je fais par colonne. Donc, pareil. Donc, j'ouvre le plastique dans ce sens-là. Donc, j'ai pas de problème. Mais sinon, vous faites à l'horizontale, mais à partir du haut. Et vous descendez. Comme ça, votre plastique... Ne l'enlevez pas complètement, hein, surtout quand vous faites votre kit. Surtout pas. Il ne faut surtout pas l'enlever complètement. Vous le baissez au fur et à mesure. Et après, quand vous finissez votre journée de diamond painting, vous le remontez, c'est tout. Ne le découpez pas non plus, rien du tout. Ça, c'est pareil. Je vois beaucoup de personnes, mais alors énormément, je le vois par rapport à mon groupe aussi, qui découpent leur papier de protection au fur et à mesure qu'elles font leur diamond painting. J'arrive pas à comprendre. Moi, je n'ai jamais découpé les papiers de protection. Bon, je travaille, je baisse mon papier, dans ce sens-là ou dans ce sens-là, hein, quand c'est des papiers... les papiers blancs, là, bon. Je ne les découpe jamais, même s'il y a déjà les perles qui sont posées. Non, parce que quand je vais ranger mon diamond painting, je repose mon papier sur les perles et je range mon diamond painting. Ça empêche les poussières de venir sur les perles. Voilà. C'est pour ça que je ne comprends pas les... Peut-être que vous qui êtes en train de me regarder, vous le faites, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens déchirent les papiers au fur et à mesure qu'ils posent leurs perles. Bon, c'est peut-être moi, hein, mais bon... non, moi je préfère le laisser et je replie sur mes perles. Au moins, c'est protégé de la poussière. Voilà. Bon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une protection en plus. Parce qu'en plus, quand vous déchirez,
ça fait que vous avez une fine partie de la colle qui est quand même à l'air libre entre le papier là, mais infini, c'est ça se voit presque pas, mais vous avez quand même, vous pouvez quand même avoir de la poussière qui se met entre les perles et le papier là où vous avez déchiré. Donc non, moi je suis de, je déchire pas. Voilà. Je préfère, je retire, je fais mes perles et hop, je repose mon papier. Voilà. Bon. C'est pas grave. Alors là, par contre, surtout sur ces kits-là, n'oubliez pas de mettre un petit papier sur le dessus pour que vous sachiez le recto verso de votre plastique. Hein. Parce que sinon, vous allez, là, vous allez avoir des problèmes. Quand vous voulez, si jamais vous l'enlevez complètement, mais ne le faites pas. Et puis que vous voulez recoller le papier et vous ne savez plus quel, dans quel sens c'est, bah vous allez avoir des problèmes. Ça va. Si vous mettez ce côté-là, du côté de la colle, ben bonjour pour l'enlever. Hein. J'ai eu le tour une fois, pas deux. Bon, ceci dit, tous mes petits conseils, vous les prenez pas, vous faites comme vous voulez. Mais bon, j'aime bien donner des conseils quand je peux. Et si ça peut vous aider, ça me fait plaisir. Voilà. Alors, comme je vous disais, donc ces kits viennent donc de la boutique FG Normal. Je vous remets en barre d'infos le lien de la boutique, le lien des articles que j'ai choisi. Donc là, le chat va se terminer là, dans un jour ou deux. Et donc, j'attaquerai la Betty Boop pour remplacer le chat. Pardon, en parlant de chat, j'ai un chat dans la gorge. Et j'ai surtout très soif à force de parler. Donc voilà, ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que les articles que j'ai choisis vous plaisent aussi. Hein, donc n'oubliez pas, ben, si ça vous plaît, allez voir hein, dans la boutique. Vous achetez, c'est bien, vous achetez pas, c'est rien. Moi, j'ai rien à... Ça ne me rapporte rien, hein, il n'y a pas de souci. Et maintenant, je vais vous faire plein de bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.